Charles Deschamps et je vais vous faire visiter le Bordel Comedy Club. Ici, on est associé avec le Pop Quartier Latin. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est nourriture, alcool et compagnie. Très bon menu, on voit ça. La fameuse salle du Bordel. C'est un 110 places environ pour le public. On voit ici les fondateurs du Bordel Comedy Club. C'est ici que les humoristes se passent pour rentrer sur scène et je vais vous montrer la loge maintenant. On a une télé pour voir le spectacle en direct et savoir quand c'est à notre tour de passer. On a les règlements ici, ne pas arriver en retard, ne pas avoir de cellulaire sur scène, ne pas chialer sur l'ordre des humoristes. À chaque soir, il y a 5 humoristes, un animateur et personne ne sait qui sont les humoristes sauf moi. Les surprises sont dévoilées au fur et à mesure que le spectacle commence. Alors le monde a acheté des billets là, 1 mois, 2 mois, 3 mois et souvent les humoristes sont même pas encore programmés. La vraie question c'est qui a pas joué au Bordel Comedy Club? Je peux peut-être les nommer sur les doigts de la main dans les humoristes québécois qui ont pas joué. Je pense qu'il reste Jean-Marc Parent puis Lise Dion. Les humoristes l'apprécient beaucoup parce que la salle était faite pour faire de l'humour. Il y a pas de bar dans la salle, fait qu'il y a pas de bruit de verre, il y a pas de lave-vaisselle, il y a pas de... Le plafond est bas, tout est fait pour que les rires bondissent le plus possible. La salle est montée pour que ce soit parfait pour l'humour et ça fait vraiment une différence lors d'une performance. La place que prend le Bordel durant le Grand Montréal Comedy Fest, c'est qu'il y a une section Comedy Club au festival. Il y a Théâtre Sainte-Catherine où c'est des humoristes connus qui font la première partie d'humoristes moins connus. Et le Bordel est tellement populaire qu'on a pris le contrôle de l'Abreuvoir et on a des shows comme au Bordel mais à l'Abreuvoir. Ce jeudi à l'Abreuvoir, on va me suivre. On va voir c'est quoi un peu les coulisses d'un Comedy Club, le côté très différent, très intime contrairement à une salle de spectacle. On va vivre le show tout ensemble. Très bon spectacle aussi à voir, ça que je pense que ça va être une très belle soirée.